Salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie, je crois, de Subnautica. Donc du coup, bah c'est parti, hein. Let's go. Donc du coup, la dernière fois, j'avais créé le Seaglide là, enfin je l'avais construit. Je m'étais arrêté là, comme je l'ai déjà dit, hein, je fais pas de hors caméra. Donc je m'étais arrêté là et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des radiations aux alentours. Donc du coup, je pense pas que je vais utiliser le Seaglide maintenant en fait. Parce que le truc c'est que je me rends compte que finalement bah je vais pas pouvoir aller très loin avec vu qu'il y a des radiations donc je préfère. Qu'est-ce que c'est que ça? Forme indigène. Ok, bon alors voilà ce que je disais, c'est que du coup je pense pas que je pense que je vais me créer une tenue anti-radiation parce que j'ai pas envie de d'utiliser trop d'énergie de Seaglide pour finalement ne pas pouvoir aller assez loin. Donc le truc c'est que ça commence à partir là-bas les radiations je crois. Donc c'est sûr que je vais pas pouvoir aller plus bas logiquement si si j'utilise pas de combinaison anti-radiation. Alors qu'est-ce que c'est ça? Œuf de créature, inventaire plein. Y a un truc dedans là mais. Ah, ça là-bas. Essayer d'aller dedans. J'y vais tout de suite. C'est bizarre, ça me fait mal, mais. Bioréacteur, ok. Alors, je vais faire une ellipse. Je vais retourner à ma base, parce que là je vais mettre du temps je pense. Je vais retourner à ma base et du coup on va voir tout ça. C'est parti. Ouais alors du coup ce qui s'est passé c'est que bah, je suis retourné à la base. Et donc du coup je me suis rendu compte que finalement il fallait pour faire de la tenue de radiation, anti-radiation c'est pas si compliqué que ça. Il me faut ça déjà, je crois, ouais. Regardez, il me faut de la fibre ou de je sais plus trop quoi. Non, c'est pas ça. Matériaux. Maille de fibre. Donc il m'en faut deux. Le truc, le problème, c'est que là, j'ai pas de. Je commence à plus beaucoup avoir de place. De toute façon, c'était à prévoir. On va faire ça comme ça. Parce que là, j'ai beaucoup trop de trucs sur moi, ça se voit. À la limite, ça, je peux consommer. Ça je peux manger, ça je peux manger, allez, comme ça me faire un truc. Ensuite faut que j'aille voir les trucs de je sais pas quoi là. Alors c'est par là je crois les. Bon allez, je vais prendre le Seaglide quand même parce que sinon ça va être trop ennuyant. C'est vrai que c'est pratique. Alors ces machins là je comprends pas parce que depuis le début ils étaient vraiment inoffensifs envers moi et maintenant ils sont ultra chiants. Je les trouvais normal, maintenant ils sont ultra chiants. Voilà, ok, donc là ça me fait un deuxième. C'est simple. De toute façon là comme dans la dernière vidéo on avait vu que du coup bah je me suis rajouté une bonbonne de gaz sans aller améliorer. Et donc du coup c'est beaucoup plus simple comme ça en vrai. Déjà j'ai beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y a un moment ça va être quand même assez abusé. Alors je vais avoir beaucoup beaucoup de temps je pense. Je trouve ça très sympa le fait qu'on puisse voir les alentours là. Avec le scanner. Voilà. Alors du coup, matériaux, voilà. Maille de fibre, donc voilà, c'est ça.
je vais regarder quand même. Alors il nous faut de maille, il faut deux fois de maille de fibre, d'accord, et ensuite il faut du plomb, et du plomb je crois que j'en ai beaucoup, non? Qu'est-ce qu'il y a, le plomb? C'est ça le plomb? Non, ça c'est du titane. Comme... Ah, je l'ai vu, je crois. C'est ça? Ok, plomb. D'accord, mais... D'accord. Alors, outils... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, oui. Alors, il me faut... Les palmes, ça aussi, il faudrait que je fasse. Caoutchouc de silicone. Logiquement, du caoutchouc de silicone, j'en ai plein. Je crois. Comme ça, on va se faire déjà des nouvelles palmes, là. Je sais pas si c'est... Non, j'en ai déjà des palmes. On sert l'oxygène en plongée profonde. Ça sert à cycler un air respirable. Mais je vois pas la différence avec ce que j'ai de base, en fait, c'est ça le truc. Bon. Donc là, faut que je trouve du plomb. D'accord, il y a un petit problème. Il faut que je trouve du plomb. Pour extincteur, j'en ai franchement pas besoin. Bon, alors, il faut que je trouve du plomb, du coup. Bon, alors, le plomb. Où est-ce que je vais trouver le plomb? Je pense que si je pourrais regarder le journal, je pense que je pourrais voir où je dois trouver le plomb et tout, mais ça m'intéresse pas. Alors, du coup, j'ai vu un truc aussi. Je me suis mis en vue cinématique. Donc je sais pas si c'est mieux les graphismes. Mais là du coup j'ai l'impression que je vais encore moins sous l'eau. Regardez, graphismes désactivés. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux, mais bon. À vous de voir. Étrange. Essayer d'esquiver le machin. Je peux pousser les rochers. Moi j'apprends quelque chose. Ah, c'est très chiant ces machins là. Bon. Ah, les piles c'est pour les deux mêmes ou... Ah ouais. Ma lampe et mon truc là, mon CMOF, c'est. Enfin, mon Seaglide, c'est. Le même truc d'énergie. C'est bizarre. Ok, par contre, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien quand même trouver du plomb. C'est du plomb que je cherche, hein, je crois. Ah, là, je vais faire un saut de ouf. Comme un dauphin. Ah, c'est quoi ça? Ah, merde. Ah, ok, je vais mourir. D'accord. Du poison, je me suis fait avoir. On me disait que c'était, si je recevais des dégâts, c'est parce que je m'étais fait toucher par les trucs du début, mais non, finalement, c'est... Ça m'a tué. En tout, je serais mort deux fois, jusque-là, donc... En vrai, je pense que ça va. Mourir deux fois. Voilà. Je vais pas prendre le Seaglide, parce que chaque fois, je... J'ai pas besoin de ça, moi je veux ça. J'aurais dû prendre le kit là. Voilà. Où est-ce que je vais trouver ce truc de plomb là, ou je sais pas quoi. Ah bah, entre les piles, ça a l'air vraiment galère à faire, hein, je trouve. Bon, ça c'est du cuivre, hein. Autant garder le cuivre, hein, parce que vu qu'on avait vu dans la dernière vidéo, quel point c'est galère.
Ouais, bon, là j'arrive à les esquiver maintenant avec le machin. Bon, c'est pas tout ça, mais il me faut du plomb. Non, ça m'intéresse pas. Plante, s'il vous plaît. Ah bah rentre, ça me stresse trop la consommation d'énergie, parce que j'ai vraiment l'impression que j'en ai pas beaucoup. Après peut-être qu'il y aura des piles améliorées ou je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que quand même un peu galère. Ok. De toute façon c'est toujours des petits rochers hein, comme la dernière fois, faut juste casser des petits trucs. Alors du coup il y avait ça. Je peux le scanner ça? Non. Soufre de cave. Ah c'est comme ça qu'on en a du coup. Ok, c'est important ça. Je crois que c'est important. Oh par contre il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop des machins là. Voilà. Titane ça m'intéresse pas. Bon, elle a du cuivre encore, allez, je suis gentil. C'est pas la première fois que je me suis un tunnel comme ça. Bon, allez, dernier cuivre, parce que là, franchement, faut que je trouve du plomb. Je sais plus comment trouver du plomb, moi j'en ai déjà eu du plomb mais je sais plus comment en avoir. Parce que là cuivre d'accord. Ouais, bon je vais ramasser. Bon je ramasse. À la limite je vais prendre que du cuivre parce que. Jack. Oh, il y a plein de pochons là. Ok. Encore du cuivre. En fait, je sais, ça se trouve, je sais vraiment pas comment avoir du plomb. Hein. Je sais vraiment pas comment prendre du plomb. Où trouver le plomb? Donc, j'avais déjà scanné apparemment. Ouais voilà ça commence à être trop. Le pire ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon journal de bord là. Je vais voir logiquement peut-être qu'il y aura peut-être une façon de. Peut-être qu'ils vont me dire comment trouver le. Ça va être temps. Une façon de trouver ils me disent. Ah d'accord, ils me disent ce que je peux fabriquer, ça c'est cool. Une photo, ça ne peut pas. Le lubrifiant, la combinaison anti-radiation. C'est pas pour ça. Schéma. De studio. D'accord, donc on peut pas logiquement. Source de plomb, d'argent et d'or. Ok. Affleurement de grès.
Ah, je vois ce que c'est des c'est des grosses boules en fait, c'est des petites boules marron là. J'en avais déjà pris tout à l'heure, enfin j'en avais déjà trouvé. On va essayer d'en retrouver. Ok. Alors non, rien apparemment. Je ne trouve rien. Ouais, c'est pareil, là j'ai déjà tous les schémas des trucs en fait, donc ça c'est peut-être du grès, non? Du calcaire. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Ouais. J'ai jamais été aussi profond, je pense. Passing 200 meters, oxygen efficiency greatly decreased. Je vais faire gaffe quand même, je vais remonter à la surface. Oui d'accord, j'étais ultra profond. Je vais faire un saut de la moitié. Ah oui d'accord, putain, super puissance machin. Bon alors je vais aller encore un petit peu plus profond. Comme ça je vais au moins découvrir de nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. La chanson n'est pas très très rassurante. Forme de vie, ça. Ah, il y a du, ah oui, des volcans là. Pas des volcans, mais. Oh. D'accord. Okay. Ah, l'eau elle est peut-être trop chaude par ici. Faut que je fasse gaffe, je sais pas. C'est quoi ça? Ruby. Je vais prendre du ruby quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Merde, je suis en train de descendre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je meurs direct. C'est bizarre. Ok, bah alors je meurs trois fois. J'ai vu une espèce là à moitié, une espèce de machin qui s'est téléporté. Étrange. Ok. Bon. Il y a souvent des bugs de. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, bon, d'accord. Je me suis encore fait tuer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Conductrice. Signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9. 9.
9, 9, 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Je pense que c'est mort. Ok, bon. Pas très rassurant, tu sais. Ouais, alors par contre, je suis un peu sous le cul là, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment retrouver du plomb. Comment déjà faut retrouver de la fibre là, je sais plus. Ah, il faut ça, ok, bon bah alors on va déjà récupérer un deuxième. Le problème c'est que le plomb, bah je trouve pas moi. Enfin... Les débris de métal j'en prends plus parce que clairement ça m'a jamais servi à rien. J'en ai pris. C'est pareil, je savais pas qu'il y a de la physique dans ce jeu. On pouvait pousser les cailloux comme ça. D'accord, donc ça c'est méchant. Ah, c'est le même truc que tout à l'heure. Vas-y, approche. Ok, bon. Est-ce que ça c'est quoi du coup? Ça c'est aussi, c'est pareil, c'est. Ouais. Je trouve un truc de. De toute façon, c'est dans des petites grottes comme ça, toujours. Hein. Comme du Minecraft, c'est un truc dans les grottes. Non, faut que j'aille dans des petits tunnels comme ça. Du coup j'ai vu une... Ah c'est ça je crois. Voilà c'est ça. Je crois. Hein. Voilà. Fermement de gré. Du plomb. Génial. Donc là je vais pouvoir faire... En espérant que la tenue anti-radiation, bah... Elle est pas des piles. Je sais c'est con mais ça se trouve elle va s'user avec le temps. Ça serait dommage. Après les piles, j'en fais toute une histoire mais ça se trouve c'est facile à faire. Il faut du cuivre en tout cas, je le sais. Donc, let's go. Finalement, je cédais, hein, j'ai préféré utiliser le véhicule parce que même s'il dépasse les niveaux. Voilà. Ah oui, non, c'est vrai. Attends, faut que je trouve un. Faut que je coupe les espèces de vignes d'orgne là où je sais plus trop quoi. Mais là, c'est chaud quand même, parce que genre ça fait quelques minutes que je tourne la vidéo, je crois. Enfin, quelques dizaines de minutes. Et le truc, c'est que bah l'énergie, elle est déjà à 50%, quoi. Donc, comme quoi, j'avais raison, quoi. C'est pas... Pas ouf, ouf. Ah, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a encore ces petites méduses là, mais je peux pas aller à l'intérieur. Ah tiens, faudrait que je les scanne. J'aimerais bien voir à quoi ça sert. Et il y a encore une nouvelle chanson, c'est marrant parce qu'il y a tout le temps des nouvelles chansons. Genre, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a une nouvelle chanson. J'ai vu un truc d'oxygène là. Ah, ici. Je vais dans le trou là. Même si c'est risqué. Et je disais la dernière fois, ces machins là, ils étaient beaucoup plus frénétiques et tout. Et ils m'attaquaient jamais, alors que maintenant ils m'attaquent tout le temps. Comment on va comprendre? Oh non, merde, putain. Bon, on me dit pas que je vais encore mourir. Putain. Oh, putain, j'ai fait vite, hein, la vache. Ça se trouve, je vais mourir.
Bon. On va retourner à la base, du coup. Ok. Bon. Du coup, logiquement, je peux le faire. D'abord, il faut que je fasse ça. Voilà, hop. Et du coup, maintenant, c'est dans équipement, je crois. Hein. Combinaison anti-radiation. Dis donc. Combinaison anti-radiation. Ok. Gant anti-radiation. Ok, bah c'est parfait ça. Parce que j'aimerais bien refabriquer une pile. Ah oui, d'accord, oui, ok, c'est simple. Faut juste des champignons. Là, je vais prendre un champignon. Attends, ils sont juste à côté en plus. Regarde, beaucoup de piles. Hop. J'aurais été en mode hardcore, ça aurait été vraiment dur le jeu, je pense. Pile. Pourquoi je me fais de pile? Vas-y. C'était bizarre avec le bug là, du cadre là, j'arrive pas à savoir. Hop. J'en fais plein, je fais plein de piles. Voilà. Minerai de cuivre. Ah non, c'est de l'or ça, ok. Alors déjà... ça je consomme. Je vais essayer de faire une expédition, je vais essayer d'aller vers le bateau, le vaisseau géant là. Ça m'intrigue. Je vais prendre ça là, je vais prendre plein de petites créatures. J'ai l'impression que les meilleurs c'est Piper et je sais pas quoi. C'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai l'impression que... ouais, il y a des trucs qui volent, s'ils vont dans l'eau, ils se font mal. Ok. Bon. Je vais prendre un max de pochons, parce que j'en ai marre de toujours manquer d'eau. Ah bah parfait, j'ai une idée, je vais en faire de la bouffe directement. Bruit dans le nord les machins. Voilà, je vais faire tout ça, je vais t'en faire de la bouffe, voilà, comme ça. Parfait. Et ensuite je vais partir vers le bateau. Enfin le vaisseau par exemple. Ok, bon alors. En plus comme vous l'avez vu la dernière fois, j'ai fait asséché, non je ne fais pas. J'ai fait un truc, c'est que la vidéo était moins longue. Donc là au pire ce qu'on peut faire, je sais pas si ça vous plaît mais je pense que c'est le cas. Donc je pense que ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que bah là dès que j'arrive vers le vaisseau, bah ça sera pratiquement la fin de la vidéo. Hop. Voilà. C'est marrant aussi, s'il y a de l'eau, on voit des grosses poches d'eau sur les côtés là du poisson. Durer des poissons de sport. Attends, chaque fois je confonds. Hop, 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 hop. Voilà, bon, c'est bon. On va faire comme ça et puis là j'y vais. Let's go. Bon, il fait nuit, j'aurais préféré partir le jour, mais c'est pas grave. Let's go. Go vers le vaisseau. Apparemment, j'ai entendu un ami parler de ça. Et apparemment, il y a des animaux dangereux près du vaisseau. C'est pas pour autant que je vais pas y aller. Ça m'intéresse quand même de voir ce qu'il y a là-bas. Alors, j'ai jamais été aussi loin dans tous les cas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, il y a de la radiation, c'est ce que ça veut dire, je pense. Ok, bon, alors let's go. Alors faudrait pas qu'il explose comme la dernière fois. Parce que sur chemin. Je marche sur de la terre ferme. Ah, il peut sprinter, d'accord. Oh, c'est parfait ça. Bon, je peux toujours pas sauter, mais je peux sprinter. De toute façon, je savais pas, mais depuis le début, je pouvais sprinter sous l'eau. Ok, oh, nouveau poiscaille. Overfish. Et donc ce machin il essaie de bouffer les autres poissons. Ah, il a bouffé l'autre poisson, d'accord. C'est vraiment bizarre ce machin là. Comment il se déplace et tout. Alors il faut peut-être que j'essaie de trouver une entrée. Alors peut-être qu'il y en a pas. Hein. Peut-être que je me fais chier à essayer d'en trouver une, mais il y en a pas. Ouais, ok, je suis normal. Jusque là rien de très intéressant. Le scanner, moi, bah par contre, on va pas pouvoir scanner toutes les créatures, ça c'est sûr. Enfin, logiquement, si, je pense qu'on est obligé, mais on n'est pas obligé, mais on peut. Bah, il y a des créatures dangereuses et des carnivores comme ça, ouais, mais sinon, ça a l'air de bien. Préparez votre race. Pourquoi il fait tout noir d'un coup là maintenant? D'accord, mon vieux machin. Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. D'accord, eh ben il faut se calmer là parce que là du coup je vais mourir moi. Attends, c'est quoi ce tremblement là? D'accord. Ok. J'ai vu l'électricité dans l'eau, ça me rassure pas trop. Fasse gaffe quand même. Peut-être que je peux aller dans le vaisseau finalement. C'est juste le vaisseau qui est en train de péter un câble. Ah, car il y a des espèces d'aliens, c'est des crabes. Oh, ils ont rien fait en dégâts. Ils m'ont rien fait. D'accord, donc là il y a une entrée, mais apparemment c'est locked. De toute façon, je peux pas sauter dans ce jeu.
bureau. Peut-être un autre moyen, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Projecteur. Ça c'est pensé à une maison, hein, forcément. Ok. Bon d'accord, bah je vais essayer de trouver une autre entrée parce que là, apparemment, ils font chier ces machins-là. Le scanner. Ah non. Aïe. D'accord, bon. Alors apparemment par là c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Je me suis. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Ok. Ok, faut que je fasse pour pas me faire électrocuter. Peut-être qu'il y a un tunnel qui permet d'aller à une certaine partie, je sais pas. Là je peux pas. Ouais. Je sais pas si je peux aller dans le vaisseau, hein. J'ai pas l'impression. C'est très profond ça. C'est quoi ce tremblement de terre de la mort qui le tue là? Ok, bon, bah je pense que je vais partir parce que il n'y a pas l'air d'avoir des trucs intéressants par ici. Il y a des murs invisibles donc j'ai vraiment pas l'impression que je puisse rentrer dans le. Bizarre en tout cas parce qu'il y a des murs invisibles. D'ailleurs pourquoi je. Qu'est-ce que je fous là? Ok, bon. Ça a l'air d'être un peu impossible. Là je vais retenter par là mais c'est bizarre quoi. Pas été par là. Warning, ship's structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own. Laser cutter, ok, bah c'est gentil de me le dire maintenant. Ok, donc en gros on va devoir avoir besoin de laser cutter là. Comme ça je vais pouvoir couper du métal avec un laser, je sais pas. Ah bah oui, finalement c'est bon, ça va. Qu'est-ce que je raconte, moi, on peut monter. Ils me font chier ces machins là. Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Ah. D'accord, donc ils se sont fait bouffer par des crabes en fait. Oh, je vais pas aller non plus là-dedans, ça a l'air dangereux. Ok, bon, moi je pense que j'ai revenir quand j'aurai un laser cutter. Parce qu'apparemment il faut du laser cutter. Ils sont nuls ces machins là, en plus ils font que dalle de dégâts. Bon. Là, je peux pas scanner, c'est mort. On dirait les headcrabs de Half-Life. J'ai vu un truc que je pouvais scanner là-dedans, je sais pas quoi, mais. Ah, il est différent lui. Ah, d'accord, il est malade. Ok, bon bah je pense que je vais partir moi du coup. Parce que finalement
Je pense qu'il va falloir que je me construise de... le laser cutter. J'ai fait encore quelques minutes de vidéo pour faire de l'exploration, puis on verra par la suite. On va voir ce qui se passe un peu par là. Qu'est-ce que c'est que cette grosse poupoule là? Des grosses poupoules. Je vais scanner ça. Grand pompon. Pompon? Pompon. Oh, il y a une créature par là. Oh my god, what the fuck? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que je peux le scanner? J'ai envie de le scanner. Ah! M'en fiche, je vais le scanner! Putain, fais chier! Oh, je vais mourir. Oh my god! Bon. Moi, je pense que j'ai terminé la vidéo ici, du coup. Et bah je vous dis à la prochaine. Donc je pense que là on a avancé hein. Je pense que de toute façon on va voir le vaisseau. On ira dans le vaisseau plus tard, peut-être qu'il y aura des items importants ou je sais pas. Mais voilà. Du coup on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.